Laisse ça. Je vous en supplie, j'ai pas d'argent. Ta gueule, vieux fou. Mon mal. Qu'est-ce qui vous prend? On n'a rien fait de mal. Rien de mal? Mais t'as oublié de payer. Et alors notre maître n'est pas content. Espèce de bâtard. Maître O, nous avons encore été expulsés. Pourquoi vous ne vous défendez pas? On est désolé, maître. Ils sont bien trop forts. Reposez-vous. Bien, maître. Bien, maître. Toi, tu es le bras droit du général Ching. Je te conseille de partir ou je t'élimine. Alors on ne peut plus être tranquille. Je ne suis qu'un honnête commerçant et je n'ai rien de commun avec ce général Ching. Laissez-nous. Cherche pas à ruser. J'oublierai ce que tu as fait, mais tu dois t'en aller de suite sans ailleurs. Je suis désolé, mais vous ne me faites pas peur. C'est ce qu'on va avoir. Ne viens plus jamais par ici. Je t'aurai un jour. Que devons-nous faire maintenant? Nous ne devons pas céder le moindre terrain. Nous avons réussi à le trouver. Mais j'ai peur que... On ne doit rien craindre. C'est une question d'honneur. Oublie donc ta peur. Chin n'est pas encore dans le pays. Personne ne l'a vu par ici. J'ai pu trouver Pang Ho. Pang Ho, le dragon noir? Exact. C'est le bras droit de Chin. Il faudrait qu'on s'occupe d'abord de ce prétentieux. Ce prétentieux est très fort. Oui, et il m'a vaincu surtout. Et il connaît la technique des 8 coups du poing tranchant. Je ne suis pas assez expérimenté pour m'opposer à lui. Il faudra un maître de kung-fu pour l'avoir. Nous allons envisager ça. Je vous écoute. Je suppose que vous me portez un message du général. C'est ça. Je vous apporte un grand merci de la part du général pour la réussite totale de votre mission. Il est heureux que vous ayez retrouvé le trésor de votre peuple et vous souhaite de vaincre. C'est tout ce que vous avez? De nombreux combattants nous ont rejoints pour pouvoir repousser les troupes armées de l'aigle boiteux. Et nous avons pu ainsi remporter nos premières victoires contre ce renégat. Excellente nouvelle. Vous lui direz que ma mission sera très bientôt terminée. Aussi, il vous propose de vous envoyer un peu d'aide, si vous le voulez. Évidemment, vous pouvez refuser. Je transmettrai votre réponse. Non, c'est inutile. J'ai déjà préparé mon plan d'attaque. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue, maître Shun Sangdu. Thank you.
drôle de souhait de bienvenue. Que sont ces bruits? Il y a un homme qui est entré ici. Résiste à nos gardes. Un homme seul ose se mesurer à nos gardes? Faites en sorte de mettre dehors cet importun. Mais il est très fort et je crois bien que c'est un maître des arts martiaux. J'exige qu'on me l'amène pour savoir qui il est. Quoi? Il nous faut bien un maître du kung-fu, non? Nous allons voir s'il peut faire l'affaire. Bienvenue, mon ami. Vous semblez me connaître, on dirait. Vous êtes un combattant valeureux et j'ai besoin de quelques gardes tels que vous. Il faudrait me payer pour ça. Et je prends très cher. L'argent n'est pas l'essentiel. Si le travail est fait dans les règles, vous aurez tout. Maintenant, dites-moi, quel est l'homme qui doit disparaître? Il s'appelle Pang Po. C'est le bras droit du commandant en chef de la révolution armée, le général Qing. Ici, il se fait passer pour un marchand de tissus. J'accepte cette mission et je réussirai. Je suis heureux de l'entendre. Il faut que vous partiez de suite. Vous devez le tuer sans délai. Demain, vous n'aurez plus rien à craindre. Vous aurez enfin la tranquillité. Et votre ennemi sera mort et enterré. Je vous ai pris dans ce but. Alors je ne veux pas que vous échouiez. Apprenez que je n'aime pas qu'on me trompe. Pas de problème. Je réussirai mon contrat. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a payé très cher pour vous tuer. Qui veut me tuer? Ce n'est pas votre affaire. Est-ce que vous êtes l'adjoint du général Qing, Pang Ho? Quelle importance? C'est l'aigle boiteux qui vous a payé. Peu importe, c'est trop tard. Maintenant, je vais vous tuer. Oh, ce n'est pas encore fait. Je ne crains pas votre technique des 8 coups du poing couperet. Je connais d'autres prises. De faire des prières avant qu'il ne soit trop tard. Salut, si vous me tuez, il en viendra de vous pour me venger. Tu iras en enfer rejoindre des traîtres. Imbécile. Thank you.
Père! Père! Ne sois pas triste. Ton père est mort avec honneur. Tu dois prendre beaucoup de précautions, car l'aigle boiteux va te poursuivre pour te tuer aussi. Tu dois partir, ou devenir un clandestin. Je sais bien ce que j'ai à faire. Petit, petit, quand veux-tu venir? Oh, quel culot, ce type! Je vais lui mettre une bonne volée! Petit, petit, mange, allez! Allez, allez, mange le morceau de pain. Allez, attrape. Voilà! Tiens! Je t'ai vu me voler, mes poules, espèce de voyou! Remets cette bestiole dans le poulailler, immédiatement! T'entends? Vous avez osé me flatter de voleur, c'est à vous ce poulet-là? Ah, je vous jure que c'est mon compagnon, un pote de voyage, il est à moi, hein? Hein? Un pote de voyage? Tu te fous de moi? Pas du tout. Et c'est une jeune fille, regarde. Elle est jolie, non? Hein? Hein? Quoi? Salut. Il faut payer le droit de passage. Ah, certainement. Mais nous n'avons plus une seule pièce. On nous a tout pris. Eh, vous parlez trop. Oh, on ne peut pas vous payer. Non, surtout il ne faut pas. Eh, vous deux. Pourquoi faites-vous ça? Vous ne savez donc pas que c'est contraire aux lois de ce pays, hein? Bah, va voir ailleurs si on y est. Tu veux qu'on t'apprenne nos lois? Ne l'ai tout de même pas frappé un pauvre vieillard. Vous le feriez? Si tu cherches des histoires, oui. Je sais que vous êtes tous les deux des voleurs. Et contre moi, vous ne pouvez rien faire, hein? Espèce de vieux fou! Vous avez vu? Pas mal, hein, pour un vieux fou. Prenez exemple sur ce que j'ai appris avec les maîtres des temples de Shaolin. Allez, hein, debout, si vous voulez encore vous battre. J'attends. Alors, vous venez, que je vous donne une bonne leçon. On va commencer avec la technique des baguettes et des cuillères, d'accord? Tu peux aller en enfer, toi et ton maître de Shaolin. Thank you.
l'argent. Ah, merci. Merci beaucoup. Vous nous avez sauvés. Merci pour votre aide. Ça va. Je l'ai fait pour mon plaisir. Oubliez ça. Continuez votre route et soyez tranquille. Ils vont vous laisser. Allez-y, soyez très prudents. Au revoir. Merci encore. Attendez un moment. Savez-vous quelle est la route la plus directe pour rejoindre la ville fortifiée de l'Aigle? Vous devez continuer par le chemin du bois. Attendez. Hein? Je veux juste vous souhaiter bon voyage. Au revoir. Vous êtes des marrants tous les deux. Faites attention à vous et bon voyage. Cruche en haut. Qui veut des pots? Demandez des cruches. Pas cher les pots. Assiette, tout en haut. Demandez mes belles poteries. Cruche, assiette. Demandez mes pots. Qui te prend? Hé, ça va pas! Viens ici! Reviens ou j'appelle la police! Je vais te faire payer les pots cassés! T'entends, petit voyou? M'oblige pas à aller te chercher! Quelle bonne aventure! Je veux connaître son avenir. Je lis le futur dans les astres. Quelle bonne aventure! Je peux dire votre avenir! Monsieur, vous voulez savoir le sort qui vous attend pour les jours prochains? Je ne crois pas, tes histoires dégagent! La bonne aventure, venez me voir, je connais l'avenir! Je vais m'installer ici. La bonne aventure? Vous désirez connaître votre futur ou bien celui de... Si vous cherchez des ennuis, je vous préviens que vous êtes bien mal tombé. Il faut une permission pour ouvrir un commerce au marché. Pourquoi aurais-je besoin de permission, hein? Parce qu'il y a une loi. Tes lois. Merci beaucoup. Bonsoir, vous voulez manger? Oui. Je suis heureux de te revoir. Regardez bien la boule. À droite et à gauche. Au change. Vous trouvez où aller et c'est gagné. Allez, tâtez votre chance. La fortune vous attend si vous trouvez la boule. Encore quelqu'un? Attention, hein? Plus personne. Les jeux sont faits. Et maintenant, où est la boule? Attention. Perdu. Voilà. Et vous y allez là. Pas de chance, hein? Allez, pas la peine de s'en faire. La chance est venue. Moi, j'ai perdu tous les coups. J'ai plus d'argent pour jouer. Il m'a pris tout ce que j'avais. Quoi? Tu as perdu tout ton argent au jeu? Ah, oui. Que se passe-t-il? Je peux vous aider? T'es qu'un mendiant, n'est-ce pas? Tu ne peux rien faire. Ah, c'est à voir. Je ne suis pas un pauvre. Tu sais. Ne te fie pas aux apparences. Tu verras bien vite que je suis un mendiant très spécial. Bien, alors je vous dis tout. J'ai perdu tout l'argent que j'avais. Pas une fois mon godet était le bon. Et je suis absolument sûr que ce barn est un tricheur. Tu dois me faire entièrement confiance, tu sais. Si tu me crois, alors tu pourras retrouver tout ton argent. Il n'y aura aucun problème. Tu me laisses essayer? Essayer quoi? Que veut cette main? Donne-moi de l'argent et je vais parier.
Et j'ai besoin d'un peu de monnaie, je te promets de te le rendre. Je n'ai plus rien du tout. Mademoiselle, un effort. Voilà, tenez. Merci, je vous rendrai tout. Ayez confiance. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas, t'es folle de donner du pognon pour que ce vieux fou se fasse voler? Je préfère risquer avec lui que perdre avec toi. Ah oui. Mais où êtes-vous? Retiens-vous, vous trouvez, c'est gagné. Misez ce que vous voulez. Je fais le trip si vous tombez la boule. Allez-y, tentez votre chance. Elle est pas sur le 1. C'est perdu. Qui veut jouer encore une chose? Les jeux sont faits. Rien ne va plus. On peut regarder. Elle est pas sous. Alors je désire toucher les gains. Je vous paye d'accord. Voilà votre argent. Merci bien. Je veux remettre tout cet argent en jeu. Non, ça suffit. On recommence. Non, je vous en prie, arrêtez. On y va, je vous regarde. Regardez bien alors. Et voilà. Je mets tout sur la table. T'entends? Ah, tu peux déjà préparer la monnaie. La boule est sur le 3. Cette fois, vous êtes trompé. On ne touche plus à rien. Plus de paris. Est-ce que nous pouvons connaître le jeu? Vous avez un problème grave? Non. Encore gagné. Quelle chance. Et mon argent, s'il vous plaît. Mon argent. Rendez-moi mon argent. On doit encore causer tous les deux. N'est-ce pas? Maintenant, il faut régler vos dettes. Tenez, voilà votre argent. Ah, voilà. Et si tu veux un conseil, essaie de ne plus être usé car ton truc est vieux et personne n'y croit. Mieux vaut mendier. Hein? Mon Dieu! J'ai pas de leçon à recevoir. Dommage. Yeah. Oh, ça va? Merci allez, beaucoup. Allez. Merci. Alors, si tu te décides à faire ce que je t'ai proposé, là, il est temps de me suivre. Si tu tiens, je t'accepte. Hein? Ça me ferait chier. Oh. Hé, hey, qu'est-ce que vous voulez? Je regarde, ça sent très bon. Je ne fais que passer. Au revoir. Ça sent bon. Seigneur, écoutez, donnez-moi un yang, juste un petit yang. Fous le camp! Dieu vous le rendra, il vous rendra aussi peut-être votre œil et tout l'argent que vous avez perdu au jeu. Tu sais, Cucosto, qui t'a raconté de telles idioties sur mon compte? Réponds si tu veux pas mourir. Tu as entendu ça? Ah, attention à ce que vous faites. Vous pourrez le regretter par la suite. Vous savez que je suis fort. Idiot. Je ne suis qu'un idiot. Alors, on va voir ça. Ainsi donc, vous tenez toujours à vous battre contre moi. Vous ne craignez pas d'être faible pour me vaincre? Ah,
Attention, l'autre œil, minable. Vous ressemblez à une chaise. C'est douloureux, peut-être. Souffle, elles redescendront. C'est un très beau coup. Oh, j'en connais d'autres qui sont meilleurs. Et si vous souhaitez prendre quelques leçons... On continue la leçon, hein? Je dois vous laisser maintenant. Oh, pas la peine d'être triste, on se reverra. À une autre fois, salut! Oh! Vous voulez que je vous montre que je peux vous battre? Ah, pourquoi te moques-tu de moi? Tu te crois beau avec ta tronche de melon pourri et tes dents cassées? Ah, t'aurais mieux fait de croire ce que je t'avais dit. Ça aurait été moins con, t'aurais pu comprendre ça. Assez perdu de temps. Au revoir, et bonne chance pour toi. À la prochaine. Hé, souviens-toi de la leçon. À partir d'aujourd'hui, ce quartier est sous notre contrôle. Ceux qui n'ont rien à y faire, dégagent immédiatement. J'ai compris, hein? Ce genre de choses n'est pas dans les lois. Vous savez qu'il n'y a pas d'autre loi que celle de l'aigle. Vous n'avez aucun droit pour enfreindre ainsi notre liberté. Nous avons tous les pouvoirs ici et tu n'as absolument rien à dire. Nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Surveillez-les bien. Oui, chef. Il me semble que t'es pas d'ici. Et vous tous, vous êtes des vagabonds. Pourquoi empêcher ces gens de vivre librement? C'est pas tes affaires. Ouais. Je crois bien que si. Et ça, c'est vos affaires? La sortie est par là. J'en reviendrai une autre fois. Merci. Bienvenue, messieurs. Vous voulez manger? Non. Hé, toi! Regarde un peu par ici. Tu n'aurais pas vu quelqu'un? Il n'est pas ici. Dors non plus, suivez-moi.
très adroit. Qui es-tu donc, toi? Je suis le nouveau fiston. Je le trouve complètement idiot. On veut voir ton patron. Ah, je vais le chercher tout de suite. Oh, oh pardon. Vous avez bougé, non? Moi, je vous avais pas vu. Quel imbécile! Je vais te faire payer ça! Oh, faut pas pleurer. Fais attention, hein. Je m'en vais chercher le patron. Je pas assis. Dehors. Toi aussi, Phil. Attention. Dehors, vite. Quel emmerdeur, il nous empêcherait de travailler. Il n'y a plus moyen d'être tranquille. Hein? Dehors. Je vais vous... Ça va causer beaucoup d'ennuis. Mais comment peux-tu être si stupide? Mais surtout, ce n'est pas tout à fait ma faute. Je veux pas savoir. Dégage vite de chez moi. Oh, père. Vous pouvez pas faire ça. Ou alors, je pars aussi. Attends, reviens là. Où tu vas? La bêtise, c'est ta faute. Si elle revient pas, je te renvoie. Reviens, Lily, Lily, où es-tu? Père. Chez moi. Non, vous faites mal, non. Au secours. Ramenez-le, vivant. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Je veux rentrer chez moi. Regarde, c'est l'idiot de l'auberge. Voulez-vous m'expliquer votre présence ici? Pourquoi avez-vous enlevé cette fille à son pauvre père? Ah, tu veux sans doute qu'on te la rende. Par là, je suis là. Raté. Oh, je suis désolé. Ça va aller. Vous en voulez encore? Filez! Minable. C'était mon père. Qu'est-ce qui vous fait dire une telle chose? Votre père n'est pas un mauvais homme, il est juste un peu trop heureux par rapport aux gens comme moi. Mais c'est pour moi qu'il a fait ça. Oh, c'est normal. Vous êtes sa fille, non? Ça veut dire qu'il a bien agi en faisant ça. Ah. Arrêtons de parler de votre père. Vous allez lui dire que je n'ai plus du tout envie de travailler dans son auberge. J'ai autre chose à faire de plus important. Prenez bien soin de vous, surtout. J'espère qu'on se reverra. Au revoir. Attendez-moi! Ne partez pas! Ne me laissez pas toute seule! Oh, quel imbécile! T'aurais pas dû faire ça! Qu'est-ce qui vous prend de vous planter comme ça? Vous vous sentez pas bien? Ah oui. Vous savez que vêtu comme ça, on a l'impression d'avoir affaire au plus invraisemblable des envoyés du diable. Vous êtes un vrai sorcier, hein? D'où tiens-tu les 8 coups de poing tranchants? Hein, moi? Ah, ne vous occupez pas de mon kung-fu. Ce n'est pas pour vous, comprenez-le.
C'est moi qui en ai fait ma technique. Seul maître Pangho connaît cette technique. Ah, je vois. Vous êtes un connaisseur, hein? Mais il faut savoir s'en servir. Et si un combat vous tente, je vous montrerai. Je n'ai aucune envie de me battre avec un fouilleux comme toi. Je veux que tu me dises où je peux trouver Pangho. Quel vantard! Il m'insulte? Faites-moi voir ce que vous pouvez faire pour être aussi prétentieux. Prouvez-moi votre force. Je ne vous réponds pas tant que vous n'aurez pas démontré votre valeur. Quoi? Vous avez peur, hein, c'est ça? Et comme tu voudras. Ah ouais. C'est ça votre technique de combat particulière, hein? C'est pas mal. Je te montrerai. Du fond de l'enfer et doré. Le général Xing sait-il ce qui est arrivé? Oui, hélas, il a toujours besoin de l'or. Je sais. Je connais un moyen de le récupérer. Bien. Ah. L'oncle Wang. Oh. Oh, quel temps magnifique. Il fait une chaleur insupportable. Pas une seule bouffée d'air. Oh. Ah. Vous n'avez pas soif? À rester au soleil? Ça doit être intenable, non? Vous n'avez pas envie de faire une bonne sieste dans un endroit frais? Où est-ce qu'on peut boire? Vous devez rester ici, on prévient le chef. J'attends, mais j'ai toujours aussi soif et ça ne durera pas longtemps. Envoyant tous nos meilleurs hommes à sa recherche sans délai, il me faut immédiatement. Je vous le ramènerai. Excusez-moi, maître. Tu peux entrer. Maître, il y a un homme dehors. Il dit être marchand de ginseng, maître. Ah. Tu vas lui dire que je veux bien entendu en acheter. Je veux qu'il me réserve les plus chers. Dis-lui de venir me voir. Quelle grande maison, c'est magnifique. Ah, salut, comment allez-vous? Je m'appelle Chok Sang. Qu'est-ce que vous faites? Eh? Vous allez vous fatiguer le bras. Arrêtez-vous un instant. Ah.
Seigneur, c'est un grand honneur de vous saluer. Je suis Chok Sang. Je suis le meilleur marchand de ginseng de toute la région. Désirez-vous en voir? J'espère que tu dis la vérité, que tu m'as gardé les meilleurs, parce que sinon, méfie-toi. Oh, vous ne regretterez pas. Celui-là est certainement le plus ancien. 300 ans pour venir vous porter bonheur. Il supporte aucune lumière. Il faut le garder dans son étui. Quel prix vaut ce ginseng? Oh, je suis désolé, mais point d'argent ne peut l'acheter. De l'or pour un tel cadeau. Hein? Il n'y a que l'or qui soit aussi précieux qu'un vrai ginseng. D'accord. Je te propose de te donner 111 d'or fin. 111, pas davantage? Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que j'ai d'autres clients, hein, à qui j'ai demandé encore plus et qui achètent. Alors, je suis désolé, j'aurais tellement voulu que vous-même ayez proposé un prix raisonnable. Dommage, mais les affaires sont les affaires. Ton prix sera le mien, ça va? Formidable! Vous n'aurez pas de regrets. Et à l'avenir, les plus belles seront pour vous. Et vous aurez la force avec vous pour les vaincre tous. Nous arrêtons-nous? Ne perdons pas de temps. Allons. Sors de ta caisse. Descendez-moi, on va voir ce qu'ils veulent. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Vous allez nous voler notre argent, c'est bien ça? Si vous ne voulez pas qu'on vous fasse mal, donnez-nous votre or. Bande de vauriens. Faudra venir le chercher si vous voulez cet or. Attendez un instant. J'ai quelque chose à vous proposer, si vous désirez. Foutre le camp. Allez-y, vous pouvez rire. Mais sachez qu'après, il sera trop tard. Nous allons voir ça. Je vous avais averti avant. Fallait croire ce que j'avais dit pour éviter tout ça. Souviens-t'en. Je suis sûr que c'est un élève de Bang Hao. Tu donneras ce précieux colis à mon oncle Wang et prends-en soin. Soyez tranquille. Allons-y. Maintenant, il faut prévoir la suite. Hop là. C'est une bonne idée. Très malin, ce petit gars. Il faudra faire attention à lui. Quoi? Il s'est enfui avec l'or? Espèce de fou, vous vous êtes fait avoir. Allez chercher Sun Sandu pour qu'il retrouve ce gars et mon or. Je ne pardonnerai pas d'échec. Bien, maître. Je ne donnerai jamais mon or à n'importe qui. Je voudrais que ce soit bien compris. Je veux bien d'une ginseng à condition que je ne perds rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous as fait peur. J'en peux plus, j'ai trop chaud. Est-ce indispensable de rester là-dedans?
brûlure. J'ai fond. Ne regarde pas comme ça, espèce de vicieux. Tiens, mange ça. C'est bon. Tu es une brave fille. Est-ce que ce gars t'a parlé de moi? De qui parlais-tu, hein? De l'assistant, Cuistot. Faut pas en parler. Bien, patron. Et qu'est-ce que tu lui fais? J'aimerais le revoir. Chuck a réussi. Voici l'ordre qu'il a obtenu de l'aigle boiteux. Formidable. Je vais le faire parvenir au général Ching. On dit qu'il pourrait avoir plus de 300 ans. Combien pensez-vous qu'il peut valoir dans ce d'or? Il n'a pas rien du tout. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il serait sans valeur? Ce ginseng ne vous apportera aucune force, c'est un faux. Vous vous êtes fait avoir. Quel enfant de salaud. Je retrouverai cet escroc et je lui ramènerai votre or. Maître, je peux rentrer? Il y a un homme pour vous, maître. Hey, qui êtes-vous? Et qui vous a permis de venir ici? Si je retrouve celui qui vous a vendu le ginseng et si je peux aussi ramener votre or, que me donnerez-vous? Dites-nous d'abord qui vous êtes. C'est moi qui suis venu ici poser des questions. Ça suffit. Ne craignez rien. Je viens en ami, je ne veux pas combattre. Je suis heureux de l'apprendre. Et vous dites que vous pouvez retrouver ce bâtard? Je sais qui il est et où il se cache, et je suis un tueur professionnel et un chasseur d'esprit. Un chasseur d'esprit? Vous voulez me dire que vous êtes capable de conjurer le mauvais sort? Je le fais sans problème. Dites-nous où il est. Combien me donnez-vous? Votre prix sera le mien aussi. Dans ce cas, je vous fais confiance. Vous me paierez quand je le ramènerai. Vous ferez ça? Vous êtes bien sûr de vous? C'est un marché à prendre ou à laisser. Parfait. Et si vous perdez? Personne n'aura perdu le moindre yang. Dis-moi ce qui est arrivé à Wang. Je ne peux le dire exactement. Quand on est revenu, on ne pouvait pas intervenir, mais... on a su que des hommes de l'aigle étaient venus. Ils vous cherchaient. Personne n'a pu nous dire où était votre oncle. Et je ne saurais pas vous dire s'il est mort ou prisonnier de l'aigle. Par contre, ils n'ont pas trouvé l'or. J'ai vérifié, il est toujours là. Tu vas partir chez ton oncle te reposer pour quelques jours. C'est pour plus de sécurité. La situation n'est pas sûre ici. J'irai te chercher quand ça ira mieux pour nous. C'est pour ton bien. Fais confiance à ton père. D'accord. Je t'ai reconnu sous ce déguisement. Tu es vraiment décidé à me laisser seule? Tu n'as rien fait pour moi. Je te déteste à jamais. T'as pas tout vu. Ah! Sauvage! Madame, ici c'est pour les hommes, les femmes c'est plus loin. Je sais, mais je ne peux pas attendre. T'es occupé.
Tant pis, j'attends. Alors, ça va mieux ? Tu vas arrêter de ronfler, oui. Ça suffit à la fin. Ah, ça va, laisse-moi dormir un peu. Oh. Tu peux dormir si tu veux. Tiens, je te les donne. Change-toi. Ah, c'est pas ton problème. Ah, t'as pas une chance de t'en tirer, même avec ce déguisement-là. Gentil, je devrais pas le laisser. Sors de là et viens à moi. Thank you.
maintenant le moment est venu de mourir. Quelqu'un a voulu nous faire une blague. Intéressant. Le prochain cercueil sera le vôtre, assassin. Prétentieux. Pourquoi riez-vous? Il me tarde de tenir cet enfant de salaud entre mes mains. J'ose espérer que vous le trouverez. Je vous assure qu'il ne pourra plus jamais m'échapper. J'en fais une question d'honneur personnel. Écoutez bien. Je vous tuerai les uns après les autres, jusqu'à ce que vous me disiez où il est. Je reviendrai demain. Ah, monsieur Richard, non. À parler. C'est inutile de se laisser tuer les uns pour les autres. On leur dit qu'ils se cachent pour éviter ce massacre. Vous pouvez nous sauver. Je vous comprends. Vous êtes innocent. Mais ce serait une trahison de le dénoncer. Nous avons besoin de lui pour continuer la lutte contre la tyrannie. Lui et les siens ont déjà beaucoup donné pour notre peuple. Et c'est un orphelin. Son père aussi est mort. Il ne faut pas oublier que c'est en luttant pour notre liberté. Et surtout, prenez conscience que des sacrifices sont nécessaires aujourd'hui pour éviter d'être des esclaves demain. L'histoire l'a déjà démontré. Ensemble, nous aurons plus de force pour triompher des bandits qui nous exploitent dans cette ville. L'avenir est à nous. Laissons ce garçon accomplir sa tâche. Nous devons avoir confiance en lui. C'est gentil d'avoir préparé à manger. C'est peut-être brûlant. Prends garde à toi. Ouf. Ouf. Tiens, mange avec moi. Ah, je me suis cassé une dent. Pardon. C'est ma faute. Ils sont trop cuits. Ah non, non, non. Non, c'était une dent gâtée. Tes gâteaux sont très, très bons. Vraiment, j'ai eu peur que tu m'en veuilles pour ça. Quoi? Je craignais que tu penses que je ne suis pas une bonne cuisinière. Tu sais que si tu le veux, je serai ta femme. Mmh, ma femme? Mais je veux pas t'épouser. Me dire où se cache le mendiant. Tu mourras comme les autres. Réponds, où est-il? Je vous jure que je ne sais pas, Seigneur. Bien, je te laisse partir. Oh, merci, merci, Seigneur. Il doit être dans le coin. Fouillez partout. Allez. Oui, maître. Thank you.
Hey. C'est moi que vous cherchez. Alors, venez me chercher, Polton. Je ne vous le dirai pas deux fois. Si vous tenez vraiment à me prendre, c'est le moment ou jamais. C'est la seule chance que je vous accorde. Alors ne ratez pas votre coup. Attrapez-le! Attendez, je suis là. Venez, venez, allons, du courage. Vous voyez ce sol, là, hein? Ce sera votre tombe à vous tous. Il y a de jolies fleurs, non? Attention, on va te montrer. Ouais? J'attends votre leçon. Faites vite, car je suis très pressé de moi de voir ça. Tu vas le regretter. Allons-y. Ah, quand même. Comment ça? Très doué. C'est le digne fils de Panko, tout à fait son père. Maître Cheng! Bravo, ça fait plaisir de te voir. Ton père pourrait être fier de toi. Je suis heureux de te compter dans nos rangs. Je veux que nous vainquions pour venger sa mort et libérer enfin notre peuple. Vous voyez, dans peu de temps, plus rien n'empêchera notre victoire. Avec des hommes tels que celui-là, nous pouvons tout faire. Tu connais ton devoir. Pour suivre la mission de ton père et récupérer le trésor que nous a volé l'aigle boiteux. Je te laisse. Je dois rentrer et faire mon rapport au général Qing. Le mendiant, c'était donc toi. Et aussi le marchand de Jinsang. Et c'est toi qui as éliminé le sorcier. C'est bien ça. Eh oui, tout ça est exact. Je l'ai tué. Avez-vous pensé que c'est vous que je vais devoir abattre maintenant que vous êtes là? C'est impossible qu'il en soit autrement, vous savez. J'ai la force pour moi. Et contre ça, vous n'avez plus les moyens de faire le mal. Maintenant, il faut faire vos prières pour aller en enfer. Thank you.
Occupez-vous de la fille, je me charge de lui. Pourquoi il n'est pas encore revenu ici? Non. Je vais aller à sa recherche. Imbécile, tu veux me vaincre? Tu sais qui je suis? T'as pas une seule chance. Allez, viens! Viens te battre avec moi, viens! Encore? T'es qu'un gros tas de viande et t'as rien dans la tête. Hein? Et toi, t'es qu'un fils de pute! Tu as réussi à nous débarrasser de lui.
qui va mourir quoi qu'il arrive. Rester chez toi, mais il est trop tard. Tu as voulu la guerre, tu vas donc regretter de m'avoir défié. Tu croyais redonner la liberté au peuple. Tu ne connais pas mon pouvoir. Tu vas oublier tes idées de justice. Je veux que tu meures dans des douleurs horribles. Si vous voulez, je ne crains plus rien. Tu es un menteur. Je sais très bien que tu as peur, ça se voit sur ta figure, tu sais. Non, non, c'est l'envie de vaincre, vous voyez ? Thank you.
Yeah.